Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Nous appellerons émotion une chute brusque de la conscience dans le magique. Jean-Paul Sartre. À travers cette phrase, Jean-Paul Sartre nous ouvre la voie vers un autre monde, celui de l'émotion. Ce moment où l'irrationnel d'une perturbation fait irruption en nous. Le mot émotion provient du verbe mouvoir et du préfixe « et », qui signifie se mouvoir hors d'une position de repos et d'équilibre, d'où l'expression au sens moral d'être troublé. Elle crée chez nous une perturbation soudaine, généralement brève. Si l'émotion est difficile à définir et sensiblement différente chez chacun, elle repose tout de même, selon le psychologue Paul Fraiss, sur trois aspects spécifiques qui permettent de la caractériser. En premier lieu, il n'y a pas d'émotion sans corrélation avec l'organisme. Notre organisme subit sans cesse des modifications. Elles proviennent du système neurovégétatif et se caractérisent par les muscles lisses qui ne suscitent aucune action volontaire, comme les contractions de l'estomac ou encore les spasmes, puis par des glandes à sécrétion interne comme une décharge d'adrénaline ou encore externe comme les larmes ou la sueur. Les variations du tonus musculaire sont également essentielles puisque sans réaction tonique, le corps s'effondre. Il y a des niveaux de variables entre la veille et le sommeil, puis des variations en hyper ou hypotonique d'origine interne ou externe étroitement liées aux manifestations émotionnelles. Ce qui est constaté, c'est que toutes ces manifestations échappent au contrôle direct des centres supérieurs. Voilà pour l'aspect physiologique de l'émotion. Le deuxième aspect correspond à la situation psychologique de celui qui vit l'émotion. Nous sommes toujours situés soit dans une situation perceptive, où nous prenons connaissance d'une situation et de sa représentation, soit dans une situation adaptative de type automatique ou volontaire, qui nous conduit alors à une réaction émotive si nous sommes en incapacité de répondre à la situation. Prenons pour exemple le deuil lorsqu'il est inattendu, ou encore lorsqu'un enfant reçoit toujours le même type de cadeau, il ne manifeste pas de joie véritable. Selon le psychologue, l'émotion se produit dès qu'il y a défaut d'adaptation. Le troisième aspect, et non le moindre, est l'expérience vécue par le sujet qui transforme l'émotion ressentie en valeur affective élevée. De cette définition non exhaustive de l'émotion, plusieurs questions se posent. Quelle est donc la signification de l'émotion? A-t-elle un rôle fonctionnel? Permettrait-elle l'adaptation? À ces questions, de multiples théories et auteurs montrent l'étendue de la réflexion sur l'émotion et la difficulté à la définir. Nous pouvons citer la théorie physiologique de Lapic, où l'émotion est une erreur d'aiguillage, un raté de l'action. La théorie de Darwin, où l'émotion est une conduite adaptative, attitude héritée du passé biologique. Ou encore, selon Wallon, une forme d'expression et de communication permettant le social. Si nous faisions le mélange de ces théories, nous tomberions sur un être humain pourvu d'émotions lui permettant de se recentrer, de s'adapter et de communiquer. En parcourant le fil de l'histoire humaine, nous pouvons constater que les émotions sont vécues de manière universelle, mais les codes qui les régissent dépendent entièrement de la culture étudiée. Si le social forme notre compréhension et utilisation des émotions, il peut donc facilement les faire évoluer au gré des directions prises par les sociétés. Nos sociétés modernes sont de plus en plus axées sur nos émotions. Nous apprenons à les définir dès la maternelle, joie, peur, colère ou autre. Nous apprenons à les maîtriser pour mieux vivre ensemble, du moins, nous en avons l'impression. La sociologue Eva Illouz, directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, est spécialisée dans la sociologie des émotions et de la culture. Elle-même considère l'émotion comme sans cesse traversée par le social. L'étude de nos émotions peut ainsi devenir un outil de gouvernance. En définissant ce qui émotionnellement fait réagir le peuple, les élites, par leurs discours et les techniques de communication associées, peuvent susciter de la part du peuple tout type d'émotions permettant d'effacer pour un temps
d'autres actualités plus importantes. Pour la sociologue, la montée du populisme à travers le monde use de ce ressort pour obtenir plus de visibilité et de soutien. Dans son dernier ouvrage intitulé « Les marchandises émotionnelles », elle apporte un nouveau regard sur les travaux de Karl Marx et Jean Baudrillard sur le capitalisme. Pour Karl Marx, la marchandise correspond à un objet fabriqué dont la valeur est déterminée par le temps travail. Jean Baudrillard, quant à lui, nous montre que nous achetons des marchandises autant pour ce qu'elles font que pour ce qu'elles signifient et pour ce qu'elles disent de nous. Pour Eva Illouz, il manque un pan inexploré, la marchandise émotionnelle. Pour l'autrice, son meilleur représentant est le tourisme récréatif du XXe siècle, où comment la neurasthénie, le surmenage et la fatigue ont été remplacés par la notion de stress, ouvrant la porte à une multitude de propositions commerciales permettant de se délasser et de se reposer en y mettant le prix, alors que c'est le système qui conditionne le surmenage et la fatigue. Le développement du coaching basé sur la psychologie cognitive et humaniste a intégré un discours entrepreneurial. Pour la sociologue, le néolibéralisme a construit une nouvelle structure des sentiments qui à la fois présuppose certaines manières d'être, de penser et d'agir et les exige des individus, tout en excluant, interdisant et même stigmatisant d'autres. Par le nombre de données et d'exemples, l'ouvrage d'Eva Illouz permet de mieux diagnostiquer les pathologies sociales et de comprendre comment nos émotions sont aujourd'hui utilisées par le capitalisme comme ultime point d'ancrage pour le développement économique. Alors, prenons de la distance vis-à-vis de nos émotions pour mieux déjouer la marchandisation de ce qui nous reste d'humanité. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur délire. J'ai trouvé ça la Green, oui. Green, comment ? Oh, super Green, aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, tu vois ? Mais tu vois le Green, absolument. Green, Green.